vie au château de Peyrebert-Cuzeux, situé au sud du département de l'Aude, en région de Roussillon, au cœur du pays Catar, au sommet du château de Peyrebert-Cuzeux, la forteresse de Saint-Jordi. Peyrebert-Cuzeux, ça veut dire la pierre percée. Donc pourquoi ? Puisqu'en fait, la forteresse est construite sur une masse rocheuse percée de failles et de grottes, d'où son nom. Le château de Peyrebert-Cuzeux fait partie d'un ensemble de constructions face à la frontière aragonaise, qui a été construit en fait après la croisade entre les Albigeois, ordonnée par le roi de France, le roi Saint-Louis, qui comprend en fait un ensemble de châteaux, les cinq fils d'Ille et cinq fils de Carcassonne, le château d'Aguilar, de Quéribus, de Peyrebert-Cuzeux, de Puylaurens et de Termes, qui ont été construits sur d'anciens castrats des seigneurs occitans de l'époque, avant la croisade, pour faire face en fait au royaume d'Aragon et pour stabiliser la frontière, qui était une frontière stratégique au niveau européen pour le royaume de France à l'époque médiévale. Nous sommes ici au château de Peyrebert-Cuzeux dans un environnement préservé, quasi naturel. Le château en fait a été érigé à la cime d'un éperon rocheux, donc il y a mimétisme entre la roche et le château qui fait que de très loin, on ne s'aperçoit pas qu'il y a un château ici. On est vraiment dans un écrin, à la fois de verdure et un écrin minéral, quasi naturel, qui fait la force et la force du monument. Là, nous sommes dans la partie haute du château de Peyrebert-Cuzeux, le donjon Saint-Jordi, dit le donjon de Saint-Louis, où donc la commune régulièrement met en place des opérations de restauration. Le but, c'est de consolider l'ensemble de ces murailles, de remettre en œuvre en fait, les arases de tous ces murs pour préserver un maximum et pour faire en sorte que les générations futures puissent, comme nous, prendre du plaisir à visiter ce patrimoine qui est notre patrimoine historique. Dans l'église Sainte-Marie, donc église romane qui a été consacrée donc en 1115, bien avant donc cette période des cathares. Le catharisme, c'est une religion qui est chrétienne, qui apparaît en Europe occidentale, mais principalement dans notre région vers le 11e siècle, 12e siècle. Les catharismes n'ont jamais construit quoi que ce soit, ils prêchaient uniquement. Donc ces châteaux, eux, ont été construits par des catholiques, des seigneurs locaux, et ensuite, postérieurement à la croisade, sur ces fiefs, ces anciens castrats des seigneurs occitans, ont été construits les véritables forteresses royales. Michelin, a better way forward.